Seriez-vous prêt à payer plus cher votre place de cinéma pour bénéficier d'un meilleur confort? C'est tout nouveau en France. L'un des plus grands cinémas parisiens teste en ce moment des billets première classe. Cela existe déjà aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Comment le vit-on chez nous? Sylvain Lequen. Dans ce cinéma de la place Clichy à Paris, les spectateurs ont désormais le choix de payer 2 euros de plus pour ces sièges marrons mieux placés et plus confortables. Et les ouvreuses ont fait leur retour afin de séparer les clients. Ben, c'est plutôt sympa de pouvoir s'allonger un peu. J'ai peur de plus dormir que d'habitude, mais bon. Les salles de cinéma là, permettent d'avoir un peu plus de profit grâce à un service élaboré. Pourquoi pas? Chacun y est gagnant. Pour le PDG de Pathé Gaumont, la projection est la même pour tous, quel que soit le prix payé. Il n'y a pas de première et deuxième classe. On est assis dans cette salle, dans la meilleure salle de France aujourd'hui, parce que c'est un système de son révolutionnaire, c'est une salle entièrement construite, entièrement gradinée, avec plus de place pour les gens. Mais pour certains spectateurs, l'idée de ces sièges vendus plus cher passe mal. Je ne suis pas prête à payer plus. Pourquoi? Parce que je trouve que les temps sont difficiles. C'est la lutte des places remplace la lutte des classes peut-être, je ne sais pas. Enfin, remplace, je ne sais pas. Au cinéma, prolonge. Le concept est à l'essai dans ce cinéma. S'il est concluant, d'autres salles pourraient adopter le même principe.